Bonjour mes chers élèves, on se retrouve pour notre séance de lecture. Nous sommes toujours à l'unité 14, Contes et animaux. Alors notre texte d'aujourd'hui se trouve à la page 78 et 79 de votre manuel de lecture. Alors, je vous demande d'ouvrir votre manuel, page 78 et 79, et dites-moi ce que vous voyez. Qu'est-ce que vous voyez sur les dessins? Le titre de notre texte, c'est Le conte de la tortue. Le conte de la tortue. C'est notre titre. Alors dites-moi, parmi vous, qui a déjà vu une tortue? Est-ce que quelqu'un a déjà vu une tortue? Ou quelqu'un a une tortue dans son jardin ou dans sa maison? Moi, j'ai déjà eu une tortue il y a longtemps, des années, j'avais une tortue. Est-ce que la tortue avance vite? La tortue avance-t-elle vite? Non, bien sûr, elle n'avance pas vite. Comment elle est, la tortue? Elle est comment? Et qu'est-ce qu'elle a sur le dos? Qu'est-ce qu'elle a sur le dos? Qu'est-ce que vous voyez sur le dos de la tortue? Oui, très bien, une carapace, c'est sa maison. Eh bien, si vous voulez savoir pourquoi, lisez avec les yeux ce beau conte de la tortue. D'accord? Avant tout, vous allez le lire avec les yeux pour connaître l'histoire de la tortue. Une fois que vous l'avez lu, normalement, je vous ai demandé de le lire silencieusement si vous l'avez lu. Là, je vais bien sûr vous le lire, la première lecture, pour qu'on puisse avancer. Alors, suivez avec moi. Il était une fois un petit animal à quatre pattes. Il était tout nu. Nu, ça veut dire il n'a pas de vêtements. Il était tout nu. Comme un bébé. Le bébé, quand il naît, quand il sort du ventre de sa maman, il est tout nu. Alors cet animal, ce petit animal à quatre pattes, il était tout nu, comme un bébé. Et avait un bec sans dents, comme la poule. La poule aussi n'a pas de dents. On dit même dans un proverbe, par exemple, quand on veut ne jamais faire quelque chose, on dit d'accord, je le ferai quand les poules auront des dents. Alors, ce petit animal n'avait pas de dents. Il avait un bec, mais pas de dents. Il était une fois un petit animal à quatre pattes. Il était tout nu comme un bébé et avait un bec sans dents comme la poule. Le petit animal était très malheureux. Il aimait beaucoup se promener et voyager. Mais sa peau, douce et toute nue, ne supportait pas le soleil. Et chaque fois qu'il avançait, il se blessait sur les cailloux du chemin. D'accord? Le petit animal, il était très malheureux. Malheureux, c'est le contraire de heureux. Il aimait beaucoup se promener et voyager. Mais sa peau, la peau, c'est ce que nous avons sur les os. C'est la peau. Sa peau, elle était douce. Douce et lisse, douce, comme la peau des bébés. Et il était nu, il n'avait pas de plumes, pas de fourrure. Sa peau ne supportait pas le soleil. Et chaque fois qu'il avançait, il se blessait sur les cailloux du chemin. Les cailloux, c'est les pierres, les petites pierres qu'il y a par terre.
De plus, il n'avait rien pour se défendre contre les animaux sauvages. Alors ce petit animal à quatre pattes, qui avait une peau douce, qui ne supportait pas la chaleur, il avait un bec mais qui n'avait pas de dents, il n'arrivait pas à marcher parce que il se blessait sur les cailloux du chemin. Et en plus, il n'avait rien pour se défendre contre les animaux sauvages. Vous imaginez un petit animal qui n'a rien pour se défendre, en plus avec une peau douce. Il y a des animaux qui le dévoreraient en une bouchée. Alors, le petit animal appelle Fée Nature et lui dit. Le petit animal, il était malheureux, il n'arrivait pas à voyager. Alors qu'est-ce qu'il a fait? Il a appelé Fée Nature, la fée. Vous connaissez la fée comme la fée Clochette dans Peter Pan. Il a appelé Fée Nature et il lui a dit. Regarde, tu as donné au chien une fourrure pour se protéger du soleil et du froid et des dents pointues pour se défendre. Tu as donné au chat des griffes. Tu as donné à l'escargot une coquille où il se cache quand il a peur. Moi, je n'ai rien. Ni fourrure, ni dents, ni griffes, ni coquille. Ce n'est pas juste. Tu as raison, lui répond Fée Nature. Je vais réparer ma faute. D'abord, je te ferai vivre de très nombreuses années. Tu auras une plus longue vie que les autres animaux. Ensuite, puisque tu aimes voyager, je vais te donner une maison. Tu la porteras sur ton dos. Je vais te donner aussi des pattes plus dures que les cailloux du chemin pour qu'ils ne te blessent plus. Pour qu'ils ne te blessent pas plus. Pour qu'ils ne te blessent pas plus. Je vais te donner aussi des pattes plus dures que les cailloux du chemin pour qu'ils ne te blessent pas plus. Je vais t'endormir et à ton réveil, tu seras tout changé. Fée Nature fait dormir le petit animal et, quand il se réveille, il se retrouve caché dans une épaisse carapace. La carapace, c'est la maison de la tortue. La carapace, c'est quelque chose de dur sous laquelle on peut se cacher ou dans laquelle on peut se cacher. Alors, le petit animal qui était très malheureux, qui n'arrivait pas à voyager, qui n'avait rien pour se défendre, a fait appel à la fée Nature pour lui dire que c'était pas juste et qu'elle ne l'avait pas gâté. Alors, elle a dit, vous avez raison, tu as raison, je vais corriger ce que j'ai fait et je vais te donner ce que tu demandes. D'abord une vie plus longue que les autres animaux. Et puisque tu aimes voyager, hein, je vais te donner une maison que tu porteras sur ton dos. Et pour que tu ne te blesses pas sur les cailloux qui sont sur le chemin, je vais te donner des pattes plus dures que ces cailloux. Mais tu vas t'endormir et à ton réveil, tout sera changé. Et la fée Nature, elle a fait effectivement dormir le petit animal et quand il se réveille, il se retrouve caché dans une épaisse carapace. Seule sa tête et ses quatre pattes peuvent en sortir. Fée Nature lui dit alors, vas-y, marche. Le petit animal commence à marcher lentement, lentement. La maison que tu m'as donnée est un peu lourde, dit-il à la fée, mais elle est solide. J'avancerai lentement. J'ai tout mon temps pour visiter toute la terre, car comme tu me l'as promis, je vivrai longtemps. Merci, fée Nature.
Et la tortue, car c'est ainsi qu'on appelle ce petit animal, est partie découvrir le monde lentement, lentement, avec sa maison sur le dos. Peut-être l'as-tu rencontré sur le bord du chemin. Ça, c'est l'histoire de la tortue, c'est le conte de la tortue. Alors maintenant, répondons à quelques questions ensemble. Là, au début du conte, au tout début, est-ce que la tortue était heureuse? La tortue est-elle heureuse? Très bien, non, elle n'était pas heureuse, elle était malheureuse. Au début du conte, la tortue est malheureuse, contrairement à la fin. À la fin du conte, elle est heureuse. À qui a-t-elle demandé de l'aider? À qui la tortue demande-t-elle de l'aider? Elle a demandé de l'aide à Fée Nature. Très bien, parfait. Maintenant, sur votre cahier d'exercice, d'accord, vous allez répondre à ces questions. Alors, sur le cahier d'exercice, vous savez, question 1. Que donne Fée Nature à la tortue? Comment Fée Nature a aidé la tortue? Que donne Fée Nature à la tortue? La deuxième question. La tortue peut-elle voyager désormais? Maintenant que Fée Nature l'a aidée, est-ce qu'elle peut voyager? Et la troisième, à quelle allure avance-t-elle? À quelle allure avance-t-elle? À quelle allure avance la tortue? C'est-à-dire comment elle avance la tortue? Voilà, vous répondez sur votre cahier d'exercice à ces trois questions. Bien sûr, et je vous demande de relire encore une fois le texte et de lire aussi les mots en I, prononcer I sur le petit encadré mauve, le son EI et AI, d'accord? Le son I, on a une coquille, il s'habille. La famille, elle brille. Ça, c'est le son I. Il s'écrit avec I deux L. D'accord? Lisez bien ces mots à haute voix. Après, on a les mots en EI. Le soleil, le réveil, meilleur, il se réveille. Elle est vieille. Une oreille, le son EI. D'accord? Il s'écrit avec EI, L ou EI, deux L. Et en dernier, on a le son AI. Il s'écrit avec AIL ou AI, deux L. AI. Le travail. Un taille crayon. Il travaille. Une médaille. Un caillou. Voilà, c'est tout pour notre séance de lecture d'aujourd'hui. Très bien, alors je vous laisse bien sûr relire encore ce texte et répondre aux questions que je vous ai données sur votre cahier d'exercice. Merci beaucoup et à très bientôt les amis.